L'une des questions qu'on me pose le plus, c'est comment trouves-tu tes idées pour tes romans? Et j'ai toujours du mal à répondre à cette question. Dans cette vidéo postée il y a quelques semaines, je vous parle d'ailleurs des différents lieux réels qui m'ont inspiré lors de l'écriture de La Semeuse de Vent. Et vous le verrez, c'est assez diversifié. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager comment je trouve plus généralement mes idées pour mes histoires. Et aussi comment finalement je reste créative au quotidien et préviens le syndrome de la page blanche. Si vous avez toujours voulu écrire un livre mais ne savez pas trop où trouver des idées ni comment stimuler votre créativité, cette vidéo est pour vous et j'espère qu'elle pourra vous aider. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il est temps de parler d'inspiration, de comment on peut stimuler sa créativité pour rester créatif au quotidien. Ma manière de travailler et de trouver des idées est, comme pour beaucoup de choses me concernant en fait, plutôt méthodique. J'écris depuis longtemps et avec le temps, j'ai réussi à identifier les trucs qui m'inspirent le plus et à mettre au point une sorte de routine qui me permet de trouver régulièrement des idées et de rester inspirée au quotidien. Pour être complètement honnête avec vous, je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai fait face au syndrome de la page blanche. Et je pense que c'est en partie lié à ma manière de trouver des idées qui correspond assez bien à ma manière naturelle de créer. Du coup, j'aimerais vous partager ma façon de faire en espérant que ça puisse vous être utile si vous avez du mal à trouver des idées et à rester créatif au quotidien. Et peut-être que ça pourra vous aider aussi à éviter le syndrome de la page blanche si c'est un problème auquel vous faites souvent face. J'en profiterai aussi pour vous partager quelques livres sur la créativité que j'aime beaucoup. Commençons par le commencement, comment je trouve mes idées en général, quelles sont mes plus grandes sources d'inspiration. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, je dirais que c'est quand même assez difficile d'identifier clairement l'origine d'une idée. Je dirais que tout peut être une source d'inspiration. Mais généralement, mes trois plus grandes sources d'inspiration sont la vie, les histoires que je regarde, que je lis, donc les histoires que je consomme, et des illustrations, donc des photos, des images, des peintures, etc. Par la vie, je veux bien sûr parler de ma vie de tous les jours, même si je dirais que ma vie personnelle, c'est la chose qui m'inspire le moins. Je m'explique. Les interactions que je peux avoir avec les autres, les personnes que je rencontre, les choses que je vis, les choses que je vois, tout ça, ça peut m'inspirer des dialogues, ça peut m'inspirer des personnages, ça peut m'inspirer des situations ou des lieux. Mais ça m'inspire rarement plus que ça. Donc, ça va pas vraiment m'inspirer des intrigues, des scénarios, des conflits, des choses comme ça. Ma vie perso ne m'inspire pas énormément, même si elle peut me donner des idées. Je ne suis pas trop le genre d'autrice qui écrit sur sa propre vie ou sur soi-même. Donc si vous me connaissez dans la vie de tous les jours, n'ayez crainte, il y a très peu de chances que j'écrive un jour sur vous. Ce qui m'inspire le plus dans la vie en fait, c'est l'histoire. Donc l'histoire de notre monde, l'actualité et certaines situations politiques et sociales qui vont venir soulever en moi des questions philosophiques. Ce sont ces choses-là qui me donnent des idées d'intrigue, de conflits, de scénarios, donc des idées vraiment d'histoire. Qui raconte l'histoire, comment et pourquoi, quelles conséquences sur les principaux concernés, ça c'est une question par exemple que je me suis posée lorsque j'en ai appris davantage sur l'esclavage aux Antilles. Et c'est une question qui m'a beaucoup inspirée durant l'écriture de La Semeuse de Vent. Autre exemple, en ce moment je m'interroge beaucoup sur le nationalisme et c'est probablement un sujet que je vais explorer dans un futur roman. Bref, quand je dis que la vie m'inspire, je ne parle pas forcément de ma vie à moi, mais plutôt du monde dans lequel je vis et de l'histoire qui a donner naissance à ce monde et à l'époque dans laquelle nous vivons. C'est une source infinie d'inspiration pour moi. Vous avez peut-être déjà entendu que pour écrire un livre, il vaut mieux écrire sur ce qu'on connaît. Je ne suis pas super d'accord avec ce conseil et je vous en ai d'ailleurs déjà parlé dans de précédentes vidéos. Car je pense personnellement que l'important n'est pas d'écrire sur ce qu'on connaît, mais plutôt d'écrire sur ce qui nous intéresse. On n'a pas forcément besoin de tout savoir sur un sujet pour pouvoir écrire dessus. Moi par exemple, je ne savais rien du tout sur les montgolfières avant d'écrire La Semeuse de Vent et je n'étais pas une spécialiste sur la piraterie. D'ailleurs, je ne le suis toujours pas. Mais ce sont des sujets qui m'intéressaient beaucoup, ce sont des sujets qui titillaient ma curiosité. Si on écrit sur ce qui nous intéresse, on sera plus porté à faire des recherches sur cette chose, à en apprendre plus dessus, à passer du temps à y réfléchir. Or, écrire un livre, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, il vaut mieux qu'on soit un minimum intéressé par le sujet sur lequel on décide d'écrire. Dans Big Magic d'Elizabeth Gilbert, qui est vraiment un classique parmi les livres sur la créativité, donc je vous le recommande très chaudement si vous ne l'avez pas encore lu, l'autrice présente les idées comme des éléments vivants qui flotteraient partout autour de nous. Selon elle, les idées nous choisissent autant que nous-mêmes nous les choisissons. Et si nous ne sommes pas ouverts à certaines idées, elles vont tout simplement trouver quelqu'un d'autre qui serait plus prêt à les recevoir. Ça rejoint ma théorie selon laquelle nous sommes plus portés vers certains concepts et certaines idées que d'autres. Aujourd'hui, il se pourrait qu'il y ait certaines choses qui vous intéressent plus que d'autres, et il se pourrait que dans 10 ans,
ce qui vous intéresse soit complètement différent. L'important est donc d'apprendre à reconnaître ce qui va nous intéresser à ce moment-là de notre vie, d'être conscient de ce qui peut venir titiller notre curiosité et ensuite d'aller chercher ces choses-là. Donc tout ça pour dire que ma première source d'inspiration, c'est la vie, mais bien sûr, je suis naturellement portée plus vers certaines choses que d'autres. Et avec le temps, j'ai appris à reconnaître quels sont les éléments de mon environnement qui vont venir attiser ma curiosité, donc qui vont venir stimuler ma créativité. Ma deuxième source d'inspiration sont les histoires que je consomme. Donc les livres que je lis, les films et les séries télé que je regarde. Comme vous êtes nombreux à le savoir, pendant très longtemps, j'ai écrit de la fanfiction. Je dirais même que l'écriture de fanfiction, ça a été un petit peu ma formation d'autrice. J'ai appris à écrire en écrivant des fanfictions et en lisant aussi beaucoup de fanfictions. Depuis très jeune, j'ai donc pris l'habitude de m'inspirer d'œuvres qui existent déjà. Je suis incapable de lire un livre ou de regarder un film et de m'arrêter à l'histoire qui m'est présentée. Je veux toujours en savoir plus et je pense toujours qu'il y a plus à dire. Je me dis toujours, ce serait intéressant si ça s'était passé comme ça, si tel personnage avait dit ça, si tel événement avait eu lieu à tel endroit plutôt qu'à celui-ci. Donc je suis toujours en train de remettre en question ce que je lis, ce que je regarde. Du coup, je suis aussi toujours en train de voler ou de m'inspirer d'éléments dans des histoires déjà existantes. Je ne sais pas si vous connaissez le livre Still Like an Artist d'Austin Kleon, mais c'est mon livre préféré sur la créativité. Je vous recommande vraiment ce livre si vous ne le connaissez pas. C'est vraiment le livre sur la créativité qui m'a le plus marqué. Je repense souvent à ce livre parce que, disons qu'il correspond beaucoup à ma manière de créer et à ma manière de voir la créativité. Il donne de très bonnes astuces pour trouver des idées et explique vraiment comment on peut s'inspirer d'œuvres déjà existantes pour créer quelque chose de nouveau, pour donner naissance à quelque chose de nouveau et de différent. Ce livre explore l'idée selon laquelle toutes les œuvres d'art seraient en réalité le résultat d'une combinaison d'idées déjà explorées auparavant par d'autres artistes. En gros, que tout art est bâti sur des œuvres déjà existantes. Et que le travail d'un artiste est en fait de savoir sélectionner ce qu'on aime le plus dans nos œuvres préférées, ce qui fait le plus vibrer notre âme, de savoir l'analyser, se l'approprier pour pouvoir le réutiliser de manière authentique. Je sais que plusieurs personnes ont peur d'être accusées de faire du plagiat. Je sais qu'on est nombreux à avoir cette peur en nous et c'est tout à fait compréhensible. Moi aussi, des fois, il m'arrive d'entendre parler d'une œuvre, de constater que cette œuvre aborde des sujets similaires à mes propres romans et de me dire « Oh non, est-ce que j'ai plagié sans m'en rendre compte ?» et d'avoir très peur. Donc je sais qu'on est nombreux à avoir peur de ça. On veut être originaux, on ne veut pas faire la même chose que les autres, on ne veut surtout pas être accusé d'avoir copié d'autres artistes. Mais pour relativiser, je pense qu'il est important de se rappeler qu'un concept n'est pas une histoire. Donc ici, quand je vous dis de ne pas hésiter à vous inspirer d'œuvres déjà existantes ou de voler des éléments à d'autres artistes, je ne parle bien sûr pas ici de faire de la fanfic, à part si c'est ce que vous voulez faire. Donc je ne vous dis pas ici qu'il faut copier un système magique ou copier le fonctionnement d'un univers fantasy qui existe déjà. Bien sûr que non, je parle ici de s'inspirer de concepts, de voler donc des concepts plutôt que des histoires complètes. Par exemple, l'histoire du personnage principal du manga Vinland m'a beaucoup inspirée lorsque j'écrivais l'arc narratif du personnage d'Olive dans La Semeuse de Vent. J'ai été beaucoup inspirée par le fait que l'histoire ne se concentre pas finalement sur la vengeance du personnage mais sur les conséquences de cette vengeance une fois qu'elle est plus ou moins que plus, terminé. Je me suis demandé qu'est-ce que moi je pourrais écrire sur la vengeance si j'utilisais un angle similaire à celui-ci. Je me suis demandé à quelle conclusion je pourrais parvenir dans le cadre de mon intrigue. Si vous lisez Vinland puis La Semeuse de Vent, vous verrez que les deux histoires sont très différentes et les deux personnages principaux sont aussi très différents. En fait, je pense que ce serait même difficile de voir comment je me suis inspirée de Vinland ou même de remonter jusqu'à Vinland. Je suis sûre que vous n'auriez jamais deviné en fait que je me suis en partie inspirée de Vinland pour écrire La Semeuse de Vent. Donc vous voyez, on peut s'inspirer d'un thème, on peut s'inspirer d'un concept, on peut s'inspirer d'un point de vue et voler ces éléments, se les réapproprier, sans pour autant copier et verser dans le plagiat. Et enfin, ma troisième grande source d'inspiration, les photos et les illustrations. Je suis une personne plutôt visuelle, donc je suis facilement inspirée par des images, des peintures, des dessins, etc. Je suis très inspirée par les ambiances dans des œuvres artistiques. Donc je ne suis pas forcément inspirée par ce que l'image représente, mais plutôt par ce qu'elle dégage, par ce qu'elle me fait ressentir. Ces œuvres de l'artiste japonais Fukuoji Kazuhiko m'ont beaucoup inspirée l'univers dans lequel se passe mon projet fantasy sur la course à pied. Et si vous me demandez quel est le lien entre ces tableaux et la course à pied, je vous répondrai
Des fois, l'imagination a ses raisons. Sinon, en dehors de ces trois grosses sources d'inspiration, donc la vie, les histoires que je consomme et les illustrations, il m'arrive aussi d'être inspirée par les rêves. Par exemple, l'univers de la Semeuse de Vent a en grande partie découlé d'un rêve, mais je ne garde pas de journal de rêve et au quotidien, je n'accorde pas une si grande importance que ça à mes rêves. Je dirais que la Semeuse de Vent, ça a été un petit peu l'exception à la règle, parce que de manière générale, les rêves, c'est vraiment pas une grosse source d'inspiration pour moi. Mais les rêves peuvent être une grande source d'inspiration, donc ça peut-être être une grande source d'inspiration pour vous dans The Artist's Way de Julia Cameron, qui est un livre sur la créativité dont je vous ai déjà parlé et que j'aime aussi énormément. L'autrice donne plusieurs astuces et exercices pour stimuler sa créativité et elle parle justement de tenir un journal de rêves en disant que ça peut être une manière de stimuler sa créativité. Maintenant, toutes ces choses m'inspirent et me donnent des idées, mais il faut souvent que je sois dans un état d'esprit particulier, donc généralement un état d'esprit plutôt méditatif pour que les idées me viennent. Donc souvent ça va être quand je vais me baigner, quand je vais faire la vaisselle, courir, prendre une longue marche en écoutant de la musique. D'expérience, ces activités-là sont celles qui portent le plus de fruits. Je dirais qu'environ 95% des grandes idées d'histoire que j'ai eues au cours des dernières années me sont venues lorsque je faisais l'une de ces activités. Donc le silence, l'ennui, les activités répétitives. C'est super important pour moi pour rester à l'écoute de ma créativité. J'ai remarqué que lorsque je passe trop de temps sur Internet ou trop de temps sur les réseaux sociaux, ça crée une sorte de bruit. Je me sens moins créative dans ces moments-là. Du coup, je limite beaucoup mon utilisation des réseaux sociaux. Par exemple, je n'ai pratiquement aucune notification activée sur mon téléphone. Donc si vous m'envoyez des messages sur WhatsApp, Messenger ou autre, et que je mets du temps à répondre, c'est pour ça. Et c'est justement pour pouvoir rester à l'écoute de ma créativité. Maintenant, parlons rapidement de la manière dont j'organise mes idées, parce que j'ai l'impression que ça contribue beaucoup à prévenir le syndrome de la page blanche. Donc j'ai toujours un carnet et un crayon avec moi, ou alors mon téléphone. Et dès que j'ai une idée pour une histoire, une idée pour un dialogue, une idée pour un personnage, pour un monde, pour un arc narratif, je le prends en note. Il m'est arrivé tellement souvent d'avoir une idée, de me dire je prendrai ça en note plus tard et ensuite de ne plus m'en souvenir. Donc je vous recommande vraiment de prendre en note toutes vos idées si vous le pouvez, dès qu'elles viennent, parce que c'est très facile de se dire je vais y penser plus tard ou j'écrirai ça plus tard et ensuite d'oublier. Donc moi je prends mes notes dans l'application Notes du téléphone ou alors je prends mes idées en notes dans des carnets. Donc j'en ai plusieurs répartis un petit peu partout dans mes différents sacs. Ce carnet là je vous l'ai déjà montré plusieurs fois sur cette chaîne YouTube et c'est en fait un carnet que j'ai beaucoup utilisé lorsque j'écrivais les premiers tomes de La Semeuse de Vent, lorsque je brainstormais sur La Semeuse de Vent. Donc toutes mes idées initiales au sujet de cette série sont conservées dans les premières pages de ce carnet. Du coup je l'utilise beaucoup en ce moment puisque je suis en train d'écrire le dernier tome de la série pour être sûre de ne rien oublier, de bien écrire tout ce que j'avais prévu d'écrire dans cette série. Je ne l'utilise plus trop pour noter mes idées au quotidien, j'ai d'autres carnets pour ça, mais pour montrer que j'utilise les carnets et j'utilise aussi mon téléphone pour prendre des notes quand j'ai des idées. Puis une fois tous les 2-3 mois, je fais le tri dans toutes mes notes, donc je reprends tous mes carnets, je prends mon téléphone, je regarde toutes les notes que j'ai accumulées au fil des semaines et je fais le tri. J'écris celles qui sont les plus intéressantes et les plus abouties dans Notion. Mais avant de faire le transfert, je regarde toujours si je ne peux pas combiner certaines idées. Par exemple, si j'ai une idée pour un personnage et une idée pour un arc narratif et que je ressens que les deux pourraient bien fonctionner ensemble, je vais combiner ces deux idées. Ça me fait un petit répertoire à idées dans lequel je peux toujours piocher si un jour j'ai envie d'écrire quelque chose. Résultat, j'ai toujours une histoire qui m'enthousiasme, une histoire que j'ai envie d'écrire en backup. Pendant plusieurs années, j'écrivais directement toutes les idées qui me venaient. Donc dès que j'avais une petite idée, j'essayais tout de suite d'en faire une histoire et d'écrire quelque chose à partir de cette idée. Résultat, je ne terminais jamais rien de ce que je commençais. Maintenant, j'essaie toujours de me focaliser sur un projet à la fois et de laisser mes idées fermenter et mûrir avant de me mettre à les écrire. Dans son livre Bird by Bird, Anne Lamott compare le processus d'écriture au développement d'une photo Polaroid. Elle explique que le développement des personnages, le développement d'une intrigue, le développement d'une idée, tout cela devrait arriver de manière assez naturelle et organique. Elle constate que souvent lorsqu'on force un projet, l'image qu'on a dans notre tête finit toujours par ne pas correspondre à ce qu'on écrit. Dernière astuce maintenant pour stimuler sa créativité. Ce n'est pas quelque chose que je fais beaucoup, mais je pense quand même que ça peut aider de faire ça. Et je parle ici de l'utilisation de prompts d'écriture et d'exercices d'écriture. Alors les prompts servent à stimuler la créativité et à encourager les auteurs à écrire. Ça peut être une ligne de dialogue, ça peut être une petite description, ça peut être un mot, bref, une idée ou un début d'idée qu'on peut utiliser et développer pour écrire
un texte. De nos jours, il existe de nombreux générateurs de prompts en ligne. Je sais qu'il y en a beaucoup qui fonctionnent avec l'intelligence artificielle, mais je sais aussi que sur des sites d'écriture, donc sites, blogs, forums d'écriture, on peut aussi parfois trouver des prompts. Si vous voulez juste débloquer votre créativité, écrire quelque chose, mais vous ne savez pas vraiment quoi écrire, les prompts d'écriture peuvent beaucoup aider. Dans Bird by Bird, Anne Lamotte conseille aussi de ne pas hésiter à s'inspirer des petites choses du quotidien. Donc par exemple, pourquoi ne pas écrire sur la lessive qui tourne dans la machine à laver ou sur le ronronnement de la machine à café. Même si c'est juste une description, imaginez comment on peut parler de ces choses-là, comment on peut le raconter de manière à ce que ce soit intéressant, amusant ou peut-être même effrayant. Ça peut beaucoup faire travailler la créativité et qui sait, peut-être que ça peut vous mener à une autre idée, à une idée un petit peu plus complexe et à un roman. Après tout, les meilleures idées sont souvent dans les endroits où on les attend le moins. Il y a ce poème très populaire de Louise Gluck qui s'appelle Nostos, qui dit en fait que l'on ne voit le monde réellement qu'une seule fois pendant l'enfance et après tout ce qu'on voit n'est que souvenir. Donc en gros, qu'on ne voit vraiment le monde que lorsqu'on est enfant, lorsqu'on le découvre pour la première fois. Et une fois adulte, tout ce qu'on voit du monde, c'est ce souvenir de ce premier instant où on l'a découvert. Mais je me dis toujours que ça n'a pas à être comme ça. En nous efforçant de garder nos yeux d'enfant, en restant ouverts au monde qui nous entoure, on peut demeurer curieux. Et les idées viendront. Voilà, je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas à partager dans les commentaires vos trucs et astuces pour rester créatif et pour stimuler sa créativité. Et s'il y a des livres sur la créativité que vous aimez tout particulièrement, n'hésitez pas non plus à les partager. Je dois avouer que je ne lis pas beaucoup de livres sur la créativité, je ne lis pas beaucoup de livres sur le développement personnel, mais il y en a quand même quelques-uns que j'ai lus, quelques-uns que j'ai aimés, qui m'ont marqué et qui ont réussi à dédramatiser en fait l'écriture pour moi, comme par exemple Still Like an Artist ou The Artist Way ou Bird by Bird, les livres dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Du coup, s'il y a des livres sur la créativité que je n'ai pas mentionné et que vous aimez beaucoup, n'hésitez pas à les partager en bas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette vidéo pourra aider celles et ceux qui ont parfois du mal à se sentir inspirés et à trouver des idées. L'inspiration, c'est vraiment cette chose élusive mais pourtant si nécessaire au travail d'auteur, au travail d'artiste, et je sais à quel point ça peut être frustrant lorsqu'elle nous fuit, mais je pense quand même que c'est possible de la contrôler un tout petit peu juste en comprenant notre manière de travailler, notre manière de créer, juste en apprenant en fait le fonctionnement de notre propre créativité, et ça vient forcément avec le temps à force de créer. Donc si vous écrivez depuis peu mais que vous faites souvent face au syndrome de la page blanche, ne vous découragez pas, je pense vraiment que ça devient plus facile avec le temps. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir donc dans les commentaires ou en la likant. On se retrouve très 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 vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien tout le monde et à bientôt. Bye!